en soi, pour moi c'était une bonne expérience. Et je remercie le GAF d'avoir organisé. Le tournoi s'est bien passé, mais malgré tout, le désarroi qu'il y a eu, on a pu finir au moins ce troisième. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'organisation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vos remarques personnelles? Bon, donc dans l'organisation, c'est vers la fin. Bon, lorsque on vient nous motiver, on vient changer un programme des joueurs qu'on a commencé à jouer, après on dit on retire, nous n'avons pas été contents. Ça nous a porté un peu de préjudice. Bon, c'est le foot comme c'est le sport, c'est le sport. Donc il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Le nom. Moi c'est Johnny Bolaimi. Quelle équipe? Vétéran Le Vaisseau. Avant tout, je remercie d'abord l'invitation de M. Dalba Magnolo. Bon, c'est bien vrai, je suis vraiment enthousiaste et je remercie vraiment mes amis, les gens qui sont venus me supporter et tous ces gens-là. Je remercie tous ces gens qui sont venus nous encourager lors de ce petit tournoi. Et c'est pas mal pour la première édition et que Fraternité puisse remporter. Je pense que dans les autres séances, nous pouvons encore faire plus mieux. Vous serez là lors de la prochaine édition? Oui, c'est notre maison pour parler quelque part de Chandler ici. Prendre la compétition du début, comment est-ce que vous êtes trouvé? Bien vrai que les équipes n'ont pas vraiment respecté le temps donné. Mais la fin là, il y avait quand même un peu le désordre. Ou on dit le gardien ne va pas tirer, ou on ne sait pas. C'est tout ça. Sur le plan du jeu, comment est-ce que vous trouvez les tireurs et les gardiens? Ils étaient très très bons, très excellents. Mais bon, comme on dit souvent, il y a un gagnant, il y a un perdant. Si de notre côté, c'était qu'on devait gagner, je remercie Dieu pour tout ça. Mais maintenant, vous êtes. À quel niveau fait la différence? On a fait la différence à partir du quart de finale. Parce qu'en quart de finale, on gagne. Donc, en quart de finale, on perd, on le repêche, on part en demi-finale. Demi-finale, on gagne. On gagne en demi-finale, on part en finale et on remporte. Je suis très content d'avoir participé à ce tournoi et nous sommes passés dessus. Parce que on ne s'attendait même pas à arriver à ce niveau. Bon, on pense que la prochaine édition fera quand même mieux. Alors qu'est-ce qui vous a manqué pendant cette finale? Bon, ce qui nous a manqué pendant cette finale, je pense, c'est la concentration. Juste la concentration. Comment est-ce que vous avez tiré le tireur en face? Bon, le tireur en face était très bon. Surtout le. Je tiens surtout à féliciter les gardiens qui nous a vraiment fait souffrir. Bon. C'est le ballon. Vous pouvez passer de toute quelle initiative? Non. Je suis, en tant que compétiteur, très content de cette initiative. Je pense que de l'avant, on aura de telles sortes de tournois dans notre localité. Bruno. Bruno. Le Demarena Mathieu, ancien passionnel de Fondesport.